Salut! Bonsoir! Bonjour! Comme ça, au moins, il y a toutes les formulations. Je me trouve aujourd'hui avec Hardisk ici présent. C'est moi. Je te laisse te présenter, Hardisk. Oui, je suis Hardisk, je fais des vidéos sur l'audiovisuel et j'apprends un petit peu comment réaliser des films, comment faire des effets spéciaux avec des blagues de type humoristique parce que j'adore rire. Il voulait qu'on fasse une vidéo ensemble et du coup, on est en train de faire une vidéo ensemble. Exact. La question à laquelle on va répondre aujourd'hui est la suivante. Y a-t-il vraiment 300 Spartiates dans 300. Ouais. Est-ce qu'ils sont vraiment 300 dans 300? Pas mal. Je trouvais ça assez rigolo. C'est drôle. Ouais. Du coup, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Il va y avoir une deuxième partie à cette démarche. C'est que non seulement on va essayer de vérifier s'ils sont vraiment 300 aux images, comme t'expliquais, c'est un peu compliqué et tout. Faut savoir qu'il y a un site sur lequel on peut checker tout le casting. Il y a IMDB qui est en fait une sorte de Wikipédia des films qui va vous expliquer combien de gens ont travaillé dessus, qui a travaillé dessus. Enfin, c'est vraiment des infos techniques sur le film. On va voir s'il y a vraiment eu 300 figurants. Moi, je pense que non. Et on va déjà compter et se faire chier pendant 4 heures à compter. J'espère. Que c'est plus drôle. Moi, j'en ai 38. Moi, j'en ai 26. Ça fait 64. Ça va être un travail de longue haleine. À qui le dis-tu? Parce que je ne me suis pas lavé les dents. Ouais. Moi j'ai un humour d'animateur de rire et chanson. C'est vraiment, ça c'est mon domaine. Mais plus chanson que rire, non? Ouais, donc moi je commence par là, toi tu commences à ce type là. Tout à fait. On se retrouve à celle-ci là, la grande et silencieuse là. Qui est là, là. Celle-là là. Ok. Celle-ci? Je l'ai compté moi. 32. 22. Ok, alors on n'a pas 300 quoi. Premier plan dans la 118, on file au deuxième timecode. Ah putain, ok c'est celui-ci. Ah non, alors, mec. Le problème c'est qu'ils sont cachés par la tête de ce connard là. En plus. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas faire une... Oh, on peut y arriver, on peut y arriver. Mec, faut y croire. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des lignes? On fait individuellement? J'ai limite envie de passer à l'autre timecode direct. Je te jure. C'est tellement emmerdant. J'ai envie de passer à complètement un autre film. Non, c'est... Ouais. Une autre question qu'on j'aime bien faire Mario Kart. Faut que ce soit un minimum crédible. Enfin, là, on va avoir une réponse, mec, aléatoire, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? On est absolument pas sûr. Ok, 45-53, c'est celui-ci. Celui-là, c'est le plus simple, je crois. Hein. On y arrive. De toute façon, ça veut dire un truc, voilà. C'est que dans le film, eux-mêmes savent qu'ils sont pas 300. Oui. Quoi. Je pense que sinon, ils auraient pris la peine de montrer, t'as vu, on est bien 300 et tout. Là, tu penses qu'on a pas besoin de zoomer? Ouais. Bon. Un petit peu, mais tu vois. Ouais, voilà, nickel. On a oublié personne? Si, je suis à droite. Ah, moi, j'ai des mecs coupés. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Tu m'as coupé mon armée. Non, attends, tu vois, c'est la falaise, on peut pas la voir. Genre c'est ça. Bah, c'est une belle falaise. C'est une très belle falaise. Je n'ai rien contre les falaises. J'adore le basalte. Donc on y va. On se check. Quel on mec se tu m'as check dit à lui là. Non viens, on prend lui. Ouais. Parce qu'il est juste au-dessus du rond blanc là. Ok. Ok. Nickel. 106. Toi 82. 80. 186. Donc maintenant, enchaînons vers le dernier plan finalement. Non, il y en a deux encore. Non, parce que il y en a un. Ah oui, c'est vrai, il y en a un, c'est pas vallée. Dans l'armée, c'est un truc. Ah ouais. On a trouvé un plan qui était génial sur la fin et Hugo, qui se souvenait mieux du film que moi, m'a dit hop, j'avais dit hop, hop, hop. Tu as dit hop, hop, hop. Tout à fait. C'est vrai, tu l'as dit en ces termes. Et il m'a dit attention, c'est pas l'armée des 300 Gugus en toge rouge là, c'est l'armée des 10 000. À la fin, ils sont 10 000. En fait, c'est juste qu'ils ont montré que c'était possible de niquer une armée de ouf et du coup, tout le monde a voulu se rallier à eux pour niquer une armée de ouf et c'est très fort. 300 est un très très bon film. Ouais. Je ne suis pas payé pour le dire, mais j'aimerais bien l'être. Envoyer argent. Ah, quoi? Ah, je sais pas, juste envoyer de l'argent, c'est tout, il n'y a pas d'adresse. Juste envoyer de l'argent. Et j'espère un jour ça va me tomber dessus, c'est quoi ces conneries là? Ouais, voilà. C'est pas un vrai travail ça. Alors attends, on est déjà en zoom de l'espace? Tu dis que YouTubeur c'est pas un vrai travail, c'est ça? Non, alors clairement pas. Alors là, le jour où YouTube sera un vrai boulot, on m'appellera Gilles Boulot quoi. Donc nous avons ce plan-ci où encore une fois, ils ne sont pas 300 à mon avis. Mais on va quand même les compter. Allez, c'est parti, on s'arrête à ce chef-là du coup. Bon, bref, on a fait le tour de tous nos timecodes. On a nos chiffres sous les yeux. On en a compté 118 sur un plan, 47 sur un autre et 186 sur un autre. Impossible d'en avoir 300, donc je pense que, bon, déjà, ils sont pas vraiment 300, ouais. À ça, mon avis. Ça pue leur histoire, là. Par contre, nous allons prendre ce chiffre de référence 186, qui est la valeur la plus haute qu'on ait trouvée. Ouais. Et aller vérifier enfin sur donc ce fameux site dont on parlait en début de vidéo, si déjà il y a au moins 186 personnes qui ont travaillé dessus. Oui, bonjour. Allô? Oui, je me présente, je m'appelle Daniel, je suis journaliste français, pour la France en général, le pays. Et je me renseigne sur un film que vous avez, sur lequel vous avez travaillé il y a quelques années. C'était en 2006, c'était le film 300. Ah mon Dieu Seigneur, ok, d'accord.
Ouais. Et en fait, je vous appelais parce que je désirais savoir si vous aviez la fiche du cast, parce que j'aurais aimé vérifier s'ils étaient vraiment 300 dans 300. Ouais, s'ils sont vraiment 300 dans le film 300. Parce que quand je suis allé voir le film et que j'ai vu 300 sur l'affiche, je me disais, super impressionnant, ils sont 300. Et devant les images, voyez-vous, j'étais dubitatif. Je me suis dit, peut-être ne sont-ils que 215 finalement. On n'est pas en mesure de vous répondre à cette question-là, je ne sais pas. Moi, peut-être vous auriez le numéro de l'acteur principal. Gérard Butler, la cinquantaine grisonnante, mais fort sympathique. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je vais chercher ailleurs, vous inquiétez pas. Merci et désolé de vous avoir dérangé. Voilà. Toutes mes plus gros bisous de la France. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Oh putain, elle était tellement adorable. Ah, elle est trop chou. Elle était là, elle venait de se faire sa petite tisane, ouais. Tu sais, elle passait sa journée à regarder les projets qui allaient arriver. Merci beaucoup, madame. Alors, faut savoir que dans ce genre de film, compter les figurants s'est rendu d'autant plus compliqué. Il est sur son téléphone et je ne l'ai pas prévenu. Faut savoir que dans ce genre de film, c'est d'autant plus compliqué de compter les figurants parce qu'ils utilisent des petites techniques hollywoodiennes pour éviter d'avoir à payer 300 figurants et à gérer 300 personnes. Parce que sur un plateau, quotidiennement, tu imagines bien que c'est un bordel. Et on voit en fait que sur ce genre de plan par exemple, ce qui est fait souvent, c'est que les personnes que vous voyez à l'avant du plan comme ça, comme lui ici ou comme lui ici, où on peut déceler leurs différences de corps et leurs différences de visage, ces gens-là en général sont réels et ils sont pas dupliqués. Par contre, pour les mecs qui sont derrière et qui sont un petit peu plus évasifs, où on voit pas leur visage, ouais. Ils ont un masque, je sais pas quoi, ce qu'ils font, c'est qu'ils en filment plusieurs groupes sur fond vert, donc un groupe de 5 mecs en train de courir, un groupe de 6 mecs en train de marcher, etc. Et ils vont ensuite venir les dupliquer vraiment en copier-coller à différents endroits du plan. Et ça, c'est fait dans tous les films hollywoodiens et même certains films français. Et dans ce genre de film, ça nous empêche de compter exactement est-ce qu'ils sont 300 en 300 parce que la réalité, c'est qu'ils sont sûrement 3 millions en 300 vu qu'ils sont copier-collés, ouais, tu sais. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. C'était la pause technique. Et du coup, c'est très bien qu'on finisse sur cette petite note technique puisque du coup, ça enchaîne parfaitement avec notre conclusion qui est qu'on ne peut décemment pas vérifier s'ils sont bel et bien 300 sur ce film. Le maximum qu'on ait compté, nous, c'est 186, donc on sait déjà qu'ils sont pas 300. Donc voilà, on peut pas faire plus sur cette question, vraiment pas, même le générique ne citera pas tous les figurants. Enfin, il cite tous les figurants, mais on sait pas qui est dans les Spartiates. Parce qu'on voit, voilà. Les mecs qui ont fait des stunts, par exemple, et ça peut être n'importe qui, ce qu'on disait, Donc c'est compliqué, ok? Donc ne nous en voulez pas, s'il vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Hard Disk. Abonne-toi, mets la cloche. On te met une petite fiche, quelque part par là sur l'écran, tu cliques, t'iras voir ce qu'il fait. Moi j'aime pas, mais bon, peut-être toi ça. Non, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Il travaille les vidéos comme du tissu rare. Je suis un peu un artisan. Non. J'espère que cette question qu'on vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager. Et surtout, abonne-toi.